J'ai tout de suite en fait adhéré à la, entre guillemets, la culture d'entreprise par rapport à ça et le dynamisme qui pouvait régner, le fait de l'esprit anglo-saxon, le fait d'avoir que des anglo-saxons en tant que prof, qui était forcément un gros avantage par rapport à ce qui pouvait se faire. J'avais déjà connu un petit peu la concurrence, j'ai pu voir en tout cas comment les gens pouvaient travailler. Et vraiment, c'est ce qui m'avait plu sur le côté dynamique. J'avais fait tout de suite une formation qui, ensuite à la Défense, qui m'avait vraiment mis dans le bain par rapport à ça. Ce qui m'a donné envie d'être franchisé à Wall Street, c'est d'une part le concept que je connaissais bien, parce que je considère que Wall Street aujourd'hui est la référence en matière de formation en langue anglaise, que ce soit en France ou dans le monde, avec nombre de centres. J'ai fait ce choix parce que déjà, au fond de moi, j'avais la volonté d'entreprendre. J'ai entrepris, j'ai investi avec des associés qui m'ont accompagné. Et puis parce que la franchise se mettait en place, le produit était déjà très bon. Et puis c'est un concept qui me plaisait beaucoup sur différents paramètres. Le concept franchisé est un concept qui fonctionne particulièrement bien. Il propose aujourd'hui de la croissance, de la rentabilité, du cash. Il n'y a pas beaucoup de concepts qui ont les trois en même temps. Et puis aussi, au-delà de la réussite que Wall Street procure à ses stagiaires, c'est surtout le comment. C'est le fait que d'offrir à nos stagiaires une expérience qui est vraiment différente, comme celle que j'ai pu vivre moi. C'est aussi un réseau qui nous apporte cette structuration. Et c'est quelque chose qui est rassurant dans la vie du quotidien, de savoir que dans toutes les phases opérationnelles de la vie d'entreprise, tout est cadré. Tout est prévu et tout ce que nous allons devoir apporter, eh bien, c'est nous, notre savoir-être, plus que notre savoir-faire que le réseau va nous apporter. Puis il y a un autre point qui n'est pas négligeable, c'est que c'est un réseau, c'est une marque relativement rentable en comparaison d'un certain nombre d'autres réseaux de franchise. Je ne voyais pas quelle autre entreprise je pouvais prendre à part Wall Street, c'est celle qui était là, en tout cas au niveau de la notoriété, d'expérience. Finalement du professionnalisme qui pouvait être mis en place par rapport aux procédures, c'était finalement ce qui était le plus adapté, je pense. Ouais.